Un des objectifs de la bibliothèque universitaire, dans le cadre de ses collections anciennes, précieuses, c'est d'établir des sens, des correspondances entre le savoir ancien d'hier et puis le savoir en train de se faire, celui d'aujourd'hui. Pour le coup, on a souhaité utiliser une formidable base de données en ligne d'enregistrement sonore des différentes espèces, et en l'occurrence des oiseaux, pour faire correspondre la gravure ancienne avec le chant de l'oiseau. C'est la sonothèque du Muséum national d'histoire naturelle que chacun de vous peut écouter. Pour le coup, le savoir prend un relief beaucoup plus agréable et intéressant et facilite l'exploration de ces éditions anciennes.